Et bonjour tout le monde, il est 10h50 et bienvenue sur Radio Coincoin. Coincoin. Et aujourd'hui les infos de la semaine, aujourd'hui nous avons aperçu, quelqu'un aurait aperçu près de Marseille un canard avec un gilet jaune en train de faire coin, 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 coin. Et à ce qui paraît, un homme aurait suivi le canard et aurait mis son gilet jaune. Bon, maintenant, passons à la question de la semaine avec mes deux invités, Sophia et Henri. Vous pouvez applaudir Sophia et Henri. Sophia, bonjour. Bonjour. Comment s'est passé votre trajet pour venir jusqu'ici? En fait, j'habite juste à deux pattes d'ici, donc ça va. Ah, ok. Donc ça a été facile pour vous? Oui. Et êtes-vous prête à répondre aux questions que je vais poser sur les canards? Oui. Donc ici, c'est radio. Et voilà. Et vous, Henri, comment ça va? Ça va. Alors, le trajet, ça s'est bien passé? J'ai fait quand même 4 heures de route, car je suis à du nord. Ah oui, quand même, vous venez de là-bas. Et vous, êtes-vous prêt à ce que je vous pose les questions sur les canards? Oui, je suis prêt. Car ici, sur les canards, parce que ici, nous sommes sur Radio. Donc du coup, on va passer aux questions. Sophia, pensez-vous que les canards peuvent-ils faire un autre son que coin-coin? Oui, je le pense même fortement, parce que quand ils ont hyper faim, ils peuvent faire coin-coin. Voilà. Ils peuvent faire ce genre de bruit. Ah bon, est-ce que t'en as vu à faire ce bruit-là? J'en ai déjà vu, hein. Essayez pas de me contredire, hein, vous tous. Il fait bien ce bruit-là. Après, il peut faire quoi-quoi ou quoi-quoi ou quoi-quoi. Donc voilà. Donc oui, je pense que ça peut faire un autre bruit que quoi-quoi. Très bien, Sophia. C'était très spécial ce que vous venez de nous dire, mais bon, c'est pas très grave. Et vous, Henri, pensez-vous que les canards font un autre bruit que coin-coin? En fait, je suis un peu d'accord avec Sophia, mais après, c'est pas le thème de la question, mais j'ai déjà vu un canard faire de la guitare ou du vélo. C'était très spécial ce que j'ai vu. Et voilà quoi. Et non, pour répondre à votre question d'avance, non, je ne mytho pas. Et oui, du vélo, j'en ai vu faire du vélo, de la trottinette, voilà, je l'ai vu nager, un peu normal, mais bon, je les ai vu voler et tout, c'était très spécial. Et oui, ils peuvent faire un autre son que quoi-quoi, car je suis, comme je l'ai dit en début, je suis d'accord avec Sophia, et quand ils ont hyper faim, ils peuvent faire ce bruit-là, et puis voilà, quoi, donc oui, ça peut faire un autre son que quoi-quoi. Ok, vous êtes très spécial, vous deux là, on vous l'a déjà dit? Oui. Pas? Parce que là, c'est très. Vous êtes pas normaux, quoi. Il y en a déjà une qui dit que le canard il fait quoi quoi quand il est hyper faim, et il y en a un qui dit qu'on a déjà vu faire de la trottinette, je veux. Oh là! Wow! Mais bon, c'était sympa à entendre et voilà. Attention, Sophia, Henri, deuxième question. Pensez-vous que les canards mangent-ils du foie gras? Alors, pour préciser, le foie gras, c'est... Je pense que le foie gras, c'est le foie de l'oie. Que quand on la gave, son foie, il devient, comme on l'a dit, gras, je pense. Et pensez-vous que... Bon, on va dire que ce sont des cousins, l'oie et le canard, hein, on peut dire ça. Pensez-vous que le canard mange du foie gras? Alors, moi, pour répondre à votre question, je pense que oui. Parce que, voilà quoi, un canard ça mange de tout, ça mange, je pense que ça mange sa merde aussi, ça nage dans sa merde et tout. Mais c'est du n'importe quoi ce qu'elle raconte celle-là encore, qu'est-ce qu'elle dit? J'étais d'accord avec elle tout à l'heure et là je suis même pas d'accord, qu'est-ce que tu dis toi encore? Ah là là. Ah mais qu'est-ce que tu veux toi? Vas-y, tu sais quoi? Ferme ta grande gueule, connasse. Eh non mais tu m'insultes pas comme ça toi. Eh, non mais t'es malade toi, viens on va régler, viens on va se donner des coups dehors, viens, viens, allez sors, viens on sort. Vas-y, sors, viens on sort, viens, sors. Je défonce ta gueule, sale pute, viens, allez viens, enculé, viens. Va. Et c'est ainsi que s'achève cette radio dans le calme et la bonne humeur, ouais j'adore. Et donc du coup on se retrouve la semaine prochaine
pour une nouvelle émission sur Radio Quoi Quoi.